gone, but I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. Le genou est l'articulation clé de la bipédie verticale. Sans son verrouillage, limitation de l'extension de la jambe à 180 degrés, la marche jambe tendue serait irréalisable. Ce verrouillage est le fruit de l'association d'un système musculo-tendineux, quadriceps, tendons rotuliens, et osseux, fémur, rotule. La morphologie de cet appareil codé génétiquement depuis la fin de l'ère primaire apparaît chez l'homme, particulièrement sensible au processus adaptatif mis en place lors de l'apprentissage de la marche. Des travaux récents ont montré que les formes des massifs osseux externes du fémur et de la rotule étaient totalement liées au type de déplacement. Chez l'homme moderne, la rotule présente une forme triangulaire à base supérieure aplatie. Sa face postérieure est occupée par deux facettes articulaires concaves asymétriques. La facette externe est plus grande que l'interne. Ces deux facettes sont en rapport avec les versants condyliens internes et externes du fémur. Elles sont séparées par une crête mousse qui coulisse dans la gorge trochléenne. La facette interne présente une empreinte en rapport avec les contacts entretenus avec le condyle interne lors des mouvements d'extrême flexion. Le genou est une articulation portante modelée par le type de locomotion. Une étude du genou des quadrupèdes et des bipèdes du secondaire à nos jours, dont on connaissait précisément le mode de déplacement, a clairement montré que chez les quadrupèdes, la trochlée fémorale présentait une auberge interne plus développée, alors que les bipèdes, même sporadiques, présentaient un développement externe plus conséquent. La rotule présente dans tous les cas l'aspect d'une copie en négatif du condyle. Autrement dit, les espèces présentant une trochlée plate ont une rotule plate. Les brachiateurs, quadrupèdes ou bipèdes sporadiques, montrent eux une grande diversité de morphologie, avec toutefois une prépondérance pour le développement interne. Si comme cela a été montré chez l'homme, les formes de la rotule et du fémur dépendent uniquement des contraintes exercées localement par la marche, il est possible de supposer que la simple étude de ces os permette de définir le mode de déplacement privilégié par l'animal. Dans le cadre de cette étude morphologique, il a été réalisé une tomodensitométrie de l'extrémité du fémur gauche de Lucie et d'un fémur d'australopithèque robuste dans les conditions identiques à celles utilisées chez les sportifs modernes. Les deux os ont été placés sur un support suivant un axe d'environ 15 degrés par rapport au plan horizontal. Les images obtenues par ce procédé montrent clairement que le condyle externe est nettement plus développé que l'interne et que dans les deux cas, la trochlée est bien creusée. Il est aujourd'hui évident que Lucie et cet australopithèque marchaient debout de façon permanente. Comme tous les sésamoïdes, la rotule prend naissance à l'intérieur d'un tendon, en l'occurrence le tendon quadricipital. L'ossification de cet os se réalise suivant plusieurs points qui convergent au cours de la croissance pour se rejoindre et former un massif osseux antérieur, solide, dont la face postérieure est recouverte d'un cartilage d'encroûtement. Les recherches menées chez l'homme moderne ont montré que la rotule était programmée de façon génétique. Une étude d'une population de jeunes enfants handicapés incapables de marcher pour diverses raisons neurologiques a confirmé la présence de cet os chez tous les sujets. La scanographie pratiquée chez ces enfants de 11 à 16 ans montre dans tous les cas une double aplasie portant sur la trochlée et la rotule. La rotule des sujets pathologiques est moins large, moins haute et surtout parfaitement symétrique par opposition à celle des sujets sains dont on sait que le versant externe est plus développé. La trochlée apparaît symétrique et peu profonde comme la rotule. Sa berge externe se trouve au même niveau que sa berge interne. Le fait de ne pas marcher n'autorise donc pas la mise en place normale des structures osseuses de l'articulation du genou.
Cette articulation apparaît donc non différenciée. Cette expérimentation permet de mettre en évidence le caractère adaptatif de la construction osseuse de l'articulation du genou à partir d'un schéma mis en place de manière génétique. La morphologie du système rotule-troclé constitue donc un marqueur d'une grande fiabilité concernant la marche des bipèdes. L'apprentissage de la marche chez les plus jeunes enfants joue donc un rôle primordial dans l'acquisition des massifs osseux qui constitueront leurs genoux. Trois phases distinctes peuvent être mises en évidence entre 1 et 7 ans. De 1 à 5 ans, l'enfant présente de façon parfaitement naturelle un genu varum, jambe arquée. Cette morphologie protège le compartiment externe du genou, la rotule ayant tendance à travailler de façon plus interne. De 5 à 7 ans, les membres se redressent. Le tibia et le fémur sont pratiquement dans le même axe. La rotule coulisse dans sa trochlée suivant cet axe. Au-delà de 7 ans, le genu valgum physiologique de 3 à 5 degrés, propre aux humains, se met en place, tendant à appliquer la rotule sur le compartiment externe. Plusieurs conceptions histologiques peuvent être avancées pour expliquer le modelé terminal du genou humain. La première prend comme hypothèse que la pression des deux os induit leur développement réciproque, système réactionnel. Dans ce cas, le développement important de la facette rotulienne externe et de la bêche trochléenne du même côté apparaît comme le résultat des pressions exercées sur ce compartiment par la marche bipède. Le développement est tardif, après l'âge de 7 ans, c'est-à-dire au moment où le valgus physiologique imprime les pressions les plus élevées à ce niveau. Dans ce cas, les aplasies pourraient être le reflet d'une insuffisance de pression à ce niveau, sujet longiligne, peu sportif, de faible poids, ou développant un valgus fémoral tardif, au-delà des capacités adaptatives des os de l'articulation. De la même manière, une puberté précoce, plus fréquente chez la jeune fille que chez les garçons, pourrait perturber la mise en place de ces structures en changeant totalement les données mécaniques, allongement rapide des segments osseux, modification des angles d'application des forces et de leur intensité et hormonale du sujet, stérilisation des cartilages de croissance, perte progressive des capacités inductives des os. La deuxième hypothèse part du postulat inverse. Les faibles pressions exercées sur les massifs osseux sont à l'origine de cette croissance. Dans ce cas, la mise en place du phénomène est beaucoup plus précoce, avant l'âge de 5 ans. C'est la marche en varus de la petite enfance qui permet ce développement externe. À l'âge adulte, les sujets à faible valgus, hommes, se trouvent alors doublement protégés par le varus d'abord, qui tente à appliquer la rotule sur le compartiment interne, par la butée trochléenne externe ensuite. Cependant, cette exception se heurte aux observations réalisées chez les grands singes se déplaçant dès leur plus jeune âge en varus. L'étude des ossements de ces animaux ne met jamais en évidence les caractéristiques propres à la bipédie. Les troubles engendrés par la mauvaise adaptation dynamique du genou sont regroupés sous le nom de syndrome fémoro-patellaire, dont la complication tardive est l'arthrose antérieure du genou. La fréquence d'apparition de ce syndrome, entre l'âge de 16 ans et de 25 ans, est très élevée, puisqu'en moyenne 17,5% de la population présente à un moment donné des signes douloureux en rapport avec ce syndrome. Le début des phénomènes douloureux se situe lors de la prise de poids chez le sédentaire et plus souvent au décours d'un accident ayant nécessité le repos du membre concerné chez les sportifs. Dans tous les cas, il s'agit d'une décompensation secondaire en rapport avec l'inadéquation des capacités biomécaniques de l'articulation et des contraintes appliquées à cette articulation. Parmi 504 patients étudiés présentant un syndrome fémoro-patellaire, seuls 35,51% d'entre eux présentent une atteinte anatomo-clinique. Ce résultat montre clairement que l'étiologie du syndrome fémoro-patellaire ne se limite pas à une simple aplasie des massifs osseux, mais également à pour origine des mécanismes biomécaniques faisant intervenir la position de la tubérosité tibiale antérieure et la tonicité du quadriceps, bien faible par rapport à celle de nos ancêtres primates.
La comparaison de ces deux tableaux montre que seulement 18,65% des patients présentant un syndrome fémoro-patellaire clinique ont une imagerie normale. Ces patients ont été regroupés dans une entité spécifique dite syndrome fémoro-patellaire dynamique. L'hypothèse étant que les phénomènes douloureux ont pour origine une insuffisance quadricipitale isolée, se manifestant uniquement pendant les mouvements de flexion-extension répétés, course, cyclisme, brasse. Le syndrome fémoro-patellaire apparaît bien comme le résultat d'une verticalisation qui n'a pas encore trouvé un parfait équilibre entre les axes des forces appliquées au genou, l'intensité de ces forces et le développement d'une articulation soumise au cours de la croissance à de multiples contraintes. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow.